Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Nous nous retrouvons pour un nouveau épisode consacré à Windows 8. Nous allons voir aujourd'hui comment ouvrir et fermer une application, mais aussi comment déplacer, agrandir, supprimer une application, nommée aussi tuile par Microsoft. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, à tout de suite! Nous nous retrouvons sur l'écran spécifique à Windows 8, donc que Microsoft a nommé les petits rectangles ou carrés que vous pouvez voir, hein, des tuiles. Donc ça, c'est un terme à retenir. Donc là, pour lancer une application, par exemple, si je veux aller sur mon calendrier, bah, je fais un clic et je me retrouve sur le compte. Donc là, pour quitter une application, j'ai deux solutions. Donc je vais avoir la solution de venir avec. Vous voyez, vous avez une petite main qui apparaît. Donc je clique avec le clic gauche de ma souris et sans relâcher, je l'envoie vers le bas. Je vous montre avec une autre application. Par exemple, on va aller sur la météo. Il lance ma météo. Donc là, je vais faire autoriser. Donc là, je prends ma petite main et je quitte en la faisant descendre vers le bas. Donc nous avons une autre solution pour quitter une application. Ce sera de trouver les combinaisons des touches Alt plus F4. Hein, donc je répète, Alt plus F4 en même temps. Et vous quitterez l'application. Donc, je prends les touches Alt plus F4 et là, je quitte mon application. Donc, nous allons voir maintenant comment déplacer une tuile. Donc, ici, par exemple, la tuile concernée à la finance ne m'intéresse pas trop. Je vais la déplacer, donc je clique dessus et je vais pouvoir la positionner à l'endroit où je veux. Par exemple, je la positionne ici. Donc pour la redéplacer, je reprends la tuile et je la place où je veux. Toc. Alors, Alt F4 pour la fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment réduire une tuile. Donc ici, je vais faire un clic droit sur ma tuile. Et ici, je vais réduire. Je peux la déplacer, bien sûr. Si je veux la déplacer, je peux la redéplacer. Maintenant, si je me dis, tiens, elle aurait été bien quand même en grand. Hein, donc là, je vais faire un clic droit dessus. Et je vais faire agrandir. Maintenant, nous allons voir comment supprimer une tuile. Donc, la tuile de la finance, par exemple, ne m'intéresse absolument pas. Donc, à ce moment-là, je vais faire un clic droit. Et ici, je vais faire détacher de l'écran d'accueil. Hein, ce qui me permettra, après, de la remettre si je veux. Et donc, elle a disparu. Maintenant, je veux la faire réapparaître, justement, cette tuile de la finance. Je vais faire un clic droit. Toutes les applications et je vais chercher l'application finance, donc elle est là. Donc je fais un clic droit et je fais épingler à l'écran d'accueil. Donc maintenant, si je reviens sur Windows, alors elle vient se mettre à la fin, tout à la fin. Donc il suffit de reprendre notre tuile et de venir la mettre à l'endroit que l'on souhaite. Alors une autre, donc je vous le refais, clic droit, si je fais détacher de l'écran d'accueil. Autre possibilité pour remettre une application, donc ici je viens sur ma fenêtre des charts et là je vais faire rechercher. Par exemple, je tape finance, hop, finance. Là je vais faire clic droit, épingler à l'écran d'accueil.
je le déplace et je me l'envoie à l'endroit voulu. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, à très bientôt. Kenavo!